Your take on the game. It was a tough, close, contested game. Thought in the end the difference was really small margins. We might have been a bit lucky with the referee's call at the end, not conceding that penalty. But yeah, showed a lot of guts and character. C'était un match difficile, match dur. Il avait de petits margins, le match a joué petit main, petit bras, comme ça. Et à la fin, il a pensé qu'on avait des chances avec la décision en fin, avec l'arbitre. Il a pensé qu'on avait des chances. Ouais, en global, c'était un match difficile. Il était peu à jouer. Quel était le plan de jeu face à cette équipe paloise? C'était notre stratégie geweest voor die wedstrijd. Our plan was to try and dominate territory, to play in pose half, put a lot of pressure on them with our defence, and try and get the ascendancy in scrums and mauls. Oui, de jouer à territoire, de jouer dans leur camp, pas trop dans notre camp, et être fort avec le mêlée et le touche. Simple. On a senti que vous avez du mal à vous libérer en attaque derrière, sur le jeu courant. D'accord. Hij had die gevoel gehad dat ons gesikkeld om onszelf te vrij te laten op die spel. Dat ons gespeeld het begin met hesitation. We hesitated to play a little bit. We didn't play with freedom. I agree. Especially in the first half, we struggled to get quality possession from the line-out. Poe contested well on the line-outs and we had to play with scraps. Second half went a bit better. We got more possession, kept the ball through a lot of phases and put pressure on their defense. In the second half, we started to play more our natural type of game. Oui, il est d'accord. Il pensait notre conquête qui n'a pas bien fonctionné, le touche, le mêlée, on était sous pression. C'est pour ça qu'on n'avait pas de ballon pour jouer. Donc il est d'accord qu'on n'a pas joué avec leur liberté. Mais il pense en deuxième mi-temps que c'était un peu mieux. Comment vous êtes adapté à ce rugby européen, cet arbitrage aussi? We ons adapt en hierdie we adapt ons onszelf in hierdie European rugby en ook met die ref. European refs. It was difficult with the referee. His pre-match talk in the change room upset our forwards coach a bit with his interpretation of the scrum. But as the game went on, I think the players adapted well to him. The conditions wasn't too bad today. We are used to sunshine in Bloemfontein, and luckily it didn't rain, so it wasn't that difficult. Donc d'abord aussi, je pense qu'on avait des chances avec les bonnes conditions. Il a fait beau dehors. Nous, on se prépare pour un match froid dans l'hiver. Mouillé, mais c'était de très bonnes conditions, donc on est content pour ça. Après, l'arbitre, avant le match, il a parlé avec nous dans le vestiaire, il a dit son interpretation, la règle surtout pour le mêlée, qui est un peu différent que on est d'habitude. Et oui, il pense au début c'était difficile d'adapter, mais plus en plus le match a progressé, on s'adapte. Expliquez-nous les décisions qu'on n'a pas l'habitude de voir, de jouer en touche, de jouer à la main, plutôt que prendre des pénalités. Expliquez-nous ça. He says, please explain to us the decision, our strategy, deciding not to go for points when we have an opportunity to take the 3 points and rather go for touchline. We do this a lot and it's something strange for them. Our plan was to take the points and to go for pulls, but I always give freedom to the leadership group on the field to make a decision. If they feel we can score a try with the maul, then they've got the right to change the decision. But yeah, I felt before halftime that we wasted a few point scoring opportunities. So we might have, if we lost the game, we might have looked back and said that's where we lost it. Oui, notre plan avant le match était de prendre le point. Si le point est là, on le prend. Et il donne toujours la liberté pour le leader sur le terrain pour s'il a un sentiment que
on peut aller aux touches, on va en touche. Mais après le match, ils pensent que peut-être une ou deux fois de trop, on est allé en touche un peu trop. Et si on a perdu le match, après il va dire, si on a perdu, il va dire on a perdu parce que deux ou trois fois on était en touche un peu trop. Ça fait du bien de retrouver la compétition, de retrouver un match officiel. Does it feel well to refind or to be in a competition again, international competition? It's huge for us. We were kicked out of Super Rugby in 2016, Pro Rugby in 2019. So it was really important for our union to get back into international competition and to do well. So we achieved both of those today. Oui, c'est quelque chose de très grand pour nous. En 2016, on était, vous connaissez les petites histoires, on était dans le Super Rugby avec l'équipe de Nouvelle-Zélande-Australie. Il a dit on va plus jouer contre eux, on va jouer maintenant contre l'équipe Hémisphère Nord. Et il a dit tant pis pour vous, les Cheetahs, vous n'êtes pas dedans. Et depuis là, à ce moment, on a battu pour trouver une compétition, trouver une place. Et c'était notre chance. Il nous dit il y a une chance pour vous, mais il faut l'utiliser. Donc, on est content d'être là. Ça sent bien. Et ouais, il dit ça aussi, ça sent bien parce que c'est quelque chose d'important pour nous, les Cheetahs, parce qu'on est une équipe des territoires et on est fiers de notre, tu peux dire, petite ville ou petit village de Bloemfontein aussi. Merci. 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 Dernière question. On vous a vu, on a vu à la fin du match, un peu avant même, de grandes effusions de joie sur la touche et tout. C'est-à-dire que vous étiez soulagé, il y a eu des craintes. Ça veut dire quoi, les diffusées d'énergie, tout le monde était content. Tout le monde était content, sauter de joie. Et est-ce que vous avez eu des craintes à cause de ça? C'est parce que vous avez eu peur, enfin pas peur, c'est un bien grand mot, mais oui. Vous étiez soulagé. Des craintes, ça veut dire quoi? C'est des craintes. Soulagé. On était un peu peur. So he says he could saw at the end there was a lot of emotions. The guy were very happy to win the game. Is it because we're not scared, but were we not sure that we're going to win the game, or were we not? Did we think it's going to be a very difficult game? Because he saw we were very happy and emotional, and a lot of emotions at the end that we were very happy. Everyone jumped up and was very happy. Yeah, I think the biggest reason is that there was a lot of pressure on us. We were kicked out of pro rugby, as I said, and we had to prove ourselves again. We are playing in this competition on an invite, and we've got to justify that invitation, and we want to stay in this competition. So there was a lot of pressure on the team to perform well and get a win. Oui, il y avait beaucoup de pression. La pression de l'extérieur, de notre village, mais aussi la pression de nous-mêmes. Et il dit ça, c'est nous-mêmes qui mettent la pression sur nous, de dire on est assez bien de jouer là, on est assez bon d'être dans ces compétitions. Et c'est plutôt ça, c'est plutôt de monter pour nous-mêmes qu'on est. On est assez bien. Merci. 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 Merci.